dans notre dernière présentation, we read about the connection nous avons parlé de la relation between the 70-year captivity entre la captivité des 70 années and the 1260-year captivity. Et la captivité des 1260 années. We also discussed nous avons également parlé the 70-year captivity de la 70 années de captivité and its relationship to the 2300 days. Et sa relation avec les 2300 années. So we want to see that this captivity that we spoke about at the very beginning of our studies nous voulons maintenant montrer que cette captivité dont nous avons parlé au début de nos études is directly connected est directement en relation to Millerite history avec l'histoire des Millerites the time of the end le temps de la fin and therefore to our own history. Et donc avec notre propre histoire. So we're going to read Prophets and Kings, page 714, on va again. Lire Prophètes et Rois, donc page 540, paragraphe 3. Hold the paragraph. Yeah, just, yeah, all those bullet points. Donc aujourd'hui, l'Église de Dieu est libre de faire avancer le plan divin pour le salut d'une race perdue. Pendant de longs siècles, la prédication de l'Évangile dans sa pureté a été interdite. Et les châtiments les plus sévères s'abattaient sur ceux qui osaient désobéir. En conséquence, le peuple du Seigneur a été privé de la lumière de la parole de Dieu. Les ténèbres de l'erreur et de la superstition menaçaient de faire disparaître la connaissance de la véritable religion. L'Église de Dieu était dans une captivité durant cette période de persécution, comme l'ont été les enfants d'Israël à Babylone. So it's this last part. Donc cette dernière partie, which he connects the 70 and the 1260. C'est là-dedans qu'elle fait la relation entre les 70 et les 1260. And we've shown you et nous vous avons montré that from 723 de 723 to 538 à 538 to 1798 à 1798 is these two periods of 1260 years. C'est deux périodes de 1260. And she's talking about this one here. Donc elle parle de celle-là ici. Which is the 70-year captivity. Donc qui est cette période de 70 années. And we want to consider this history here. Nous voulons considérer cette histoire ici. But we also saw mais nous avons vu également that from 677 de 677 it's the same history. C'est la même histoire, same time period, la même période that brings you to 1844. Qui vous emmène à 1844. So these are Bible verses we've already read. Donc c'est des versets bibliques que nous avons déjà lus. Daniel 7, 25. Daniel 7, verset 25. Daniel 7, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. So the last part of the verse, donc la dernière partie du verset, 7:25, c'est Daniel 7, verset 25, says time, des temps, times, enfin un temps, des temps, and the dividing of time. Et la moitié d'un temps. And that is three and a half times. Et ça, c'est trois temps et demi. This is such an important concept. C'est un concept qui est tellement important that the Bible is going to repeat this. Que la Bible va le répéter. Daniel 12, 7. Daniel 12, verset 7. Daniel 12, verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus du fleuve, et il leva les cieux. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. So almost identical. Donc c'est quasiment identique. It says time. Donc un temps. Times. Des temps. And then a half. Et la moitié. And the half is another half time. Donc la moitié d'un temps. And then in Revelation chapter 12, verse 14. Apocalypse 12, 14. Apocalypse 12, verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Times, time, times and half a time. Et la moitié d'un temps. Again, three and a half times. Donc nous avons encore trois temps et demi. The Bible doesn't repeat itself for
any silly reasons. Donc la Bible ne se répète pas pour des raisons stupides. Now God wants us to understand something. Dieu veut que nous comprenions quelque chose. So this 1260, donc cette période de 1260 années, is 3.5 times. C'est 3 ans et demi. If that's 3.5 times, donc si c'est 3 ans et demi, papal persecution, la persécution papale, what must this be? Qu'est-ce que c'est que cette période? The same. La même chose. 3.5 times. 3 ans et demi. Of pagan persecution. De persécution papale. And if you add 3.5 and 3.5, si vous ajoutez 3.5 et 3.5, you get 7 times. Vous arrivez à 7 temps. Now, have we seen this pattern before? Est-ce que nous avons déjà vu ce schéma auparavant? We have. Nous l'avons déjà vu. We've all seen this pattern before. Nous avons déjà vu ce schéma. It's actually shown to you on this chart. Il vous est montré sur cette charte. Same, you can see it on this chart here. Et aussi sur cette charte ici. Just this pattern. C'est la même structure. So I want to show you this structure. Donc je vais vous montrer cette structure. And this is Daniel 9:26-27. C'est Daniel 9, versets 26 et 27. This is the 70th week. Donc c'est la 70e semaine. It begins in 27. Et commence en l'an 27. And ends in 34. Et on se finit en l'an 34. And in the middle. Et au milieu. Is 31. C'est 31. And 31 is the. Et 31 c'est quoi? Cross. C'est la croix. This is 70. So the 70th week. C'est la 70e semaine. How long is this? Donc combien dure? Quelle est la durée? One week is how many years? Une semaine c'est combien de jours? Combien d'années? 7 years. C'est 7 années. Now when we do this, donc lorsque nous faisons ça, 3.5 times, 3 temps et demi, we say, nous disons, that's actually 3.5 years. C'est 3 A. I want to put the whole thing. A. I want to put the whole thing. N. So this times. Donc ce temps. Is years. Ce sont des années. So this is 1260 years, 3.5 times. Donc 1260 années et donc c'est 3 ans et demi. And this is how many years? Et là c'est combien d'années? 7 years. Donc c'est 7 années. So this is 7. Donc c'est 7. Times. 7 temps. And this is how many years? Et c'est combien d'années? 3.5. 3 ans et demi. Years. 3 ans et demi. 3.5. 3 ans et demi. Years. So you know. Donc vous savez. That this structure. Que cette structure. Of two desolating powers persecuting God's people. De deux puissances de désolation qui persécutent le peuple de Dieu. Has to be connected. Doit être en relation. With the time period in which Christ did his ministry. Dans la période dans laquelle Christ a fait son ministère. For 7 years. Pour 7 années. So this 7-year ministry. Donc cette période de 7 années. Is connected. Est en relation. To this persecution. Avec cette persécution. Is connected. Et en relation. To the 70-year captivity. Avec la captivité des 70 années. Is connected et en relation to the 2300 day prophecy. Avec la prophétie des 2300 jours. So all of these things are tied in together. Donc, toutes ces choses sont en relation l'une avec l'autre. I want to show you one more piece of Bible prophecy. Je voudrais encore vous montrer encore une autre chose. Remember, the book of Isaiah is used to fight against these truths. Donc le livre d'Ésaïe est utilisé pour combattre ces vérités. The book of Leviticus is also used to come and fight against these truths. Le livre de Lévitique aussi est utilisé pour combattre ces vérités. Let's go to Leviticus 26. Allons dans Lévitique 26. Verse 18. Verset 18. Si malgré cela, donc Lévitique 26, verset 18, si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Verse 21. Verset 21. Si vous me résistez et vous ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. Verse 24. Je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. And verse 28. Je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés.
Okay, so what we've seen, ce que nous avons vu ici, is that there's this punishment that's coming upon God's people. Il y a ce châtiment qui vient sur le peuple de Dieu. And this punishment, et ce châtiment, is called seven times. Est appelé sept temps. So it'll punish you seven times. Sept temps. And it's discussed four times in four verses. Et nous le voyons quatre fois dans quatre versets. 18, 21, 24, 28. 18, 21, 24 et 28. So, when we come to this prophecy here, donc lorsque nous arrivons à cette prophétie ici, that it speaks about these seven times, qui nous parle de ces sept temps, what does the number seven mean? Qu'est-ce que veut dire le nombre sept? It's a symbol. C'est un symbole. Do we know? Nous le savons. Perfection. It's perfection. Donc c'est la perfection. Anything else? Quelque chose d'autre? Plénitude. Completion or finishing. Okay, donc la plénitude ou la terminaison. And one more. Et encore une autre chose. It's an oath. C'est un serment. Or a promise. Ou une promesse. So it has these symbols of perfection. Donc c'est perfection. Completion. Donc plénitude. And an oath. Et un serment. So it has all these symbols. Donc ça symbolise tout ça. Now we know. Nous savons. That this is punishment that comes to God's people. Que c'est un châtiment qui vient sur le peuple de Dieu. Three and a half times. Trois temps et demi. So this is half of the punishment, and donc this ça, is half of the punishment. C'est la moitié du châtiment, et ça c'est la moitié du châtiment. And what kind of a punishment is it? Et quel type de châtiment cela représente? It's a perfect punishment. C'est un châtiment parfait. Let me read one more thing in these verses. Je vais lire quelque chose d'autre dans ces versets. Verse 18. Verset 18. The first part of the verse. Si malgré ça vous ne m'écoutez point, je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. If we read verse 20, chapter 26 from verse 1 all the way through. Et si nous lisons le chapitre 26 à partir du verset 1. It says. Il est dit. If you don't listen to me. Si vous ne m'écoutez pas. Then I'm going to punish you. Je vais vous châtier. And it begins in verse 14. We'll read verse 14. Nous allons lire le verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, so if you don't listen to me, si vous ne m'écoutez point, and in verse 15 you break my covenant, si vous brisez mon alliance, this is what he will do to you in verse 16. Voici ce qu'il va faire dans le verset 16. I read it. Yeah. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. It says punish. Donc il est dit châtiment. C H A T I M E N T. So there's going to be punishment if you disobey God and break the covenant. Il y a un châtiment si vous désobéissez à Dieu et vous rompez l'alliance. This is the alpha. Donc ça c'est l'alpha. The beginning punishment. Le commencement qui commence, le début du châtiment. Verse 18, the first part says what? Donc dans le verset 18, la première partie dit quoi? It says if this punishment is not enough. Donc si ce châtiment n'est pas assez. I'm going to give you some more. Je vais vous en donner plus. And the more that you're going to be given is called what? Et le plus que vous allez recevoir, c'est quoi? Seven. C'est sept fois. Times. Sept temps. So if this imperfect punishment. Donc là, on a un châtiment qui est imparfait. Is not enough. Si c'est pas assez. Then I'm going to give you a perfect punishment. Je vais vous donner un châtiment parfait. This was the beginning of the punishment. Donc ça, c'était le début du châtiment. This is the end of the punishment. Et ça, c'est la fin du châtiment. Can you begin to see why it's called seven times? Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est appelé sept temps? If this is not enough punishment, donc si ça, c'est pas suffisant, I promise you, je vous promets, I give you my word, my oath, je vous donne mon serment, that I'm going to punish you, que je vais vous châtier, so severely, de façon tellement sévère, that your nation will come to its end, que votre la nation va arriver à sa fin. Who brought God's people to its end. Qui a en fait amené le peuple de Dieu à sa fin? That we've read before. Nous avons lu auparavant. Rome. Not Rome. Pas Rome. Babylone. Babylon. Babylone.
So Babylon's going to bring the nation. Donc Babylone va amener la nation to its utter destruction. À sa destruction. And that's what this punishment is going to do. Et c'est ce que ce châtiment va faire. It's going to be perfect. Il va être parfait. It's going to come to its end. Il va faire que la nation va arriver à sa fin. And God gives his word. Et Dieu va vraiment mettre sa parole en jeu. Which he won't break. Que he won't break his word. Et il ne va pas transgresser sa parole. It's a perfect punishment. Donc c'est un châtiment parfait. It's the second one or the last one. C'est le deuxième châtiment. It's going to bring the nation to its end. Donc la nation va arriver à sa fin. And he promises he will do that. Et il promet qu'il va faire cela. And how many times does he tell you he will do this? Et combien de fois il va dire qu'il va faire cela? 18. Donc au verset 18. 21. Verset 21. 24. Verset 24. 28. Verset 28. Now if you check those verses. Et si vous regardez ces versets. There's lots of symbology in there. Il y a beaucoup de symboles. I'll give you an example. Je vais vous donner un exemple. No, I won't, because we're running out of time. Non, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. So, I'm going to expand this out. Donc, je vais étendre cela. One, un, two, deux, three, trois, four. Quatre. And here ici, is the end. C'est la fin. And who's going to bring God's people to its end? Et qui amène le peuple de Dieu à sa fin? Babylon. Babylone. Let's see that. Voyons cela. So let's read verse 34. On va lire le verset 34. Now remember, souvenez-vous, we read verse 18. Nous avons lu le verset 18. And then verse 19 and 20. Et verset 19 et 20. Tells you what happens in that first punishment. Vont vous dire ce qu'il se passe dans le premier châtiment. We read verse 21. On a lu le verset 21. 22 and 23. Le verset 22 et 23. Tells you what happens in that punishment. Vous dit ce qui se passe dans le deuxième châtiment. Verse 24 we read. On a lu le verset 24. Then 25 to 27 tells you what happens. Et verset 25 et 27 vont vous dire ce qui se passe dans ce châtiment. You can see how it works. Vous pouvez voir comment cela fonctionne. Just give you one example. Je vous donne un exemple. Verse 22. Verset 22. First part. J'enverrai contre vous les animaux des champs. I will send wild beasts among you. J'enverrai contre vous les animaux des champs. And they'll steal your children. Ils vont vous priver de vos enfants. What do you think that's talking about? De quoi cela parle? Do you think God's going to send them some tiger? Est-ce que vous pensez que Dieu va leur envoyer that un will tigre? Kill their children who's playing in the field? Un tigre qui va tuer les enfants qui jouent sur un terrain? No. Non. These wild beasts. Ces bêtes sauvages. You see lots of wild beasts here? Vous voyez des bêtes sauvages ici? Who are the children of Israel? C'est quoi? Who are the children of Israel? Qui est-ce qui était les enfants d'Israël? Daniel. C'était Daniel. His friends. Et ses amis. Many other children. Et d'autres amis. The wild beasts. Donc les bêtes sauvages. Stole them. Les ont volés. And took them away. Et les ont amenés. Into their own land. Dans leur propre pays. We have to stop reading the Bible literally at the end of the world. Nous devons arrêter de lire la Bible littéralement à la fin du monde. Has to be done symbolically. C'est symbolique. The Bible will interpret itself. Et la Bible s'interprète elle-même. So, when you get to verse 28, est-ce que lorsqu'on va donc au verset 28, it's the last one. Le dernier. So we had seven times. On a sept fois. Seven times. Sept fois. Seven times. Sept fois. Four times it said it. Et on a quatre fois que cela est mentionné. Why is it saying this? Pourquoi cela est comme ça? Because the number 4 has a symbol as well. Le nombre 4 est symbolique aussi. Number 4. Le nombre 4 means signifie end. La fin. Or complete. Ou complet. Or the whole world. Ou le monde entier. The whole Jewish world. Ou tout le monde juif. It's about to be destroyed. Va être détruit. Progressively. De façon progressive. In four steps. En quatre étapes. Who's going to do that work? Qui va faire ce travail? Babylon. Babylone. Read verse 34. Verset 34. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. So once all of this has happened, donc lorsque cela se passe, the four-step punishment, le châtiment en quatre étapes, it says the land will enjoy her sabbaths, le pays va se réjouir de ses sabbats, because she's going to be desolate, parce qu'il sera dévasté, and where will you be? Et vous serez où? In your enemy's
land. Serez dans le pays de vos ennemis. The land will have rest, and you're going to be in your enemy's land. Le pays aura du repos et vous serez dans le pays de vos ennemis. Which land is this? Quel pays? Which is the enemy's land? Qui est le pays de l'ennemi? Babylon. Babylone. Let's read 2 Chronicles. Lisons 2 Chroniques. 36. Verse 21. Verset 21. 2 Chronicles 36, 21. 2 Chroniques 36, 21. 26. Oh, sorry, 36, 21. 2 Chroniques 36, 21. While you're finding it, alors que vous êtes en train de le trouver, I just want to remind you what verse 34 says. Je vais vous dire ce que dit le verset 24. It says, il est dit, your land shall enjoy her Sabbaths. Votre pays pourra jouir de ses sabbats. And then we didn't read verse 35. On n'a pas lu le verset 35. It says it will rest. Il se reposera. It will have this Sabbath. Il aura ce sabbat. Now we're in 2 Chronicles 36, 21. Dans le verset de 2 Chroniques 36, 21. We're going to find out how long this Sabbath rest will be. Nous allons comprendre comment ce repos de sabbat, combien de temps il va durer. One second. Une seconde. We're going to go to verse 20 first. On va lire le verset 20 premièrement. Nebuchadnezzar amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. That was 20? 20. Yeah. So, what's this? I guess Nebuchadnezzar. So it says, il est dit, that his Nebuchadnezzar is going to take them away to Babylon. Nebuchadnezzar va les emmener captifs à Babylone. Well, they will be his servants. Ils vont être ses serviteurs. Until what? Jusqu'à quoi? Until Persia comes. Jusqu'à ce que la Perse arrive. Remember? Daniel knew this. Daniel savait cela. It doesn't say the Medes. Il n'est pas dit les Mèdes. It says the Persians. Il est dit le royaume de Perse. So when Darius the Mede was made king. Donc lorsque Darius a été fait roi. And Cyrus was there. Et Cyrus était là. Daniel knew. Daniel savait. That time had almost already arrived. Que le temps était presque arrivé. Do you think Daniel was making preparation? Est-ce que Daniel a fait une préparation? Of course he was. Bien sûr. Verse 21. Verset 21. Afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. How many years? Combien d'années? 70 years. Can we see? 70 années. Vous voyez? So you've got the 70 years. Vous avez 70 années. So this punishment, donc ce châtiment, brings you to the 70-year captivity. Vous amène à la captivité des 70 ans. I want us to see this really clearly. J'espère que vous le voyez clairement. Now these seven times, donc ces sept temps, are connected, sont en relation, to history, avec l'histoire. It's connected to the reigns of kings. C'est en relation avec le règne des rois. Daniel. Daniel. Where did it begin? À quel moment il a commencé? The third year of la troisième année de Jehoiakim. Joachim. He was the third from the end. Il était le troisième roi en partant de la fin. Who's the last king? Qui est le dernier? Zedekiah. Zedekias. The next one. Celui d'après. Jehoiakim. Joachim. The next one. Celui d'après. Jehoiakim. Joachim. These are the three last kings. Ce sont les trois derniers rois. That Babylon. Que Babylone. Is going to come and punish. Que Babylone va punir. Begins with Jehoiakim. On commence avec Joachim. And it ends with Zedekiah. On finit avec Zedekias. It's the end. C'est la fin. So here's the end. Donc ici c'est la fin. And what must this one be? Et celui-là c'est qui doit-il? This doit-il is the end. This must be. Donc c'est la fin. The donc, beginning. Le début. Alpha and Omega. Alpha et Omega. Who would be this beginning king? Donc c'est qui ce roi qui commence? We've spoken about him. Nous avons parlé de lui. So we had this history here. Nous avons cette histoire ici. This history here was what king? Cette histoire-là, c'était quel roi? Hoshea. Osée. What king is this one? Et celui-là, c'est qui? Manasseh. 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 Is the first king. C'est le premier roi. Of seven kings. De sept rois. That Babylon is going to punish. Que Babylone va punir. So here's Manasseh. Donc ici, on a Manasseh. It begins with Manasseh in an alpha. Ça commence à Manasseh pour l'alpha. And it ends with the three kings. Et ça termine par trois rois. As an omega. Comme un oméga. So Manasseh to Zedekiah brings you to the 70. Donc Manasseh à Zedekias et on commence les 70. But we already know. Mais nous savons. That this is seven times. Que ça c'est sept temps. And this also is seven times. Et ça aussi c'est sept temps. Because it's the same time period as this one. Parce que c'est la même période que cela.
So these seven times from 677 to 1844. Donc ces sept temps de 677 à 1844. Is being typified. A été typifié. By Manasseh. Par Manassé. And how many kings? Et combien de rois? Seven kings. Sept rois. Which will take you to Zedekiah. Qui vous amène à Sédécias. Which will take you to the 70. Qui vous amène aux 70. So all of these histories are repeating. Donc toutes ces histoires se répètent. And unless we see this, et si nous ne voyons pas cela, we will not understand end time prophecy. Nous ne comprenons pas la prophétie. So let me try and tie these all together. Donc maintenant, je vais essayer de relier ça ensemble. In a picture. Dans une image. That we can understand. Afin que nous puissions comprendre. Before we do that, avant que nous faisions ça, let's go to Revelation chapter 10. Allons dans Apocalypse chapitre 10. Revelation chapter 10. Apocalypse 10. And we're going to read verse 3. On va lire le verset 3. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. So it talks about seven thunders. Donc on nous parle de sept tonnerres. And I just want to read from. I'll give you another reference later on. Donc je vous donnerai la référence plus tard. This is manuscript 59. Donc c'est manuscrit 59. The year is 1900. Et l'année c'est 1900. But I'll give you a reference that you can find later on. Et je vais vous donner la référence pour que vous puissiez le trouver. It says. Il est dit. Quoting from this verse. En commentant ce verset. These seven thunders. Ces sept tonnerres. Were a delineation. Étaient une délineation. Of events. D'événements. Which would happen. Qui se passaient. Under the first and second angels' messages. Sous les messages du premier et du deuxième ange. So we'll stop there. Donc on va s'arrêter là. And this first and second angel's message is Millerite history. Donc le message du premier et du deuxième ange, c'est l'histoire millérite. So I'm going to jump a bit. Mm-hmm. So we're going to have a line of history here. Donc on va avoir une ligne d'histoire ici. And here we have 1798. Nous avons 1798. 1844. 1844. And this is seven thunders. Et là c'est sept tonnerres. 2300 day prophecy. On a la prophétie de 2300. This is the year what? Et ça c'est l'année combien? 457 BC. 457. In this history from 1798 to 1844. Donc cette histoire de 1798 à 1844. We have three messages. On a trois messages. Remember those special messages we spoke about? Vous vous souvenez de ces messages spéciaux dont nous avons parlé? It's prefigured or spoken of in these three steps, 1, 2, 3. Ils sont préfigurés dans ces trois étapes, 1, 2, 3. This is Revelation 8, Revelation 14. Apocalypse 14. The three angels' messages. Le message des trois anges. First, second and third. 1, 2 et 3. Let's read Ezra. Lisons Esdras. Chapter 6. Chapitre 6. Verse 14. Ezra 6:14. Ezra 6, verset 4. As you're finding the passage, alors vous trouvez le passage, it's going to tell you, il va vous dire, that the temple, que le temple, that was destroyed here, qui a été détruit ici, in the history of, dans l'histoire Zedekiah, de Sédécias, is going to be restored. Va être restauré. Vous êtes là? Mm-hmm. So let's read verse 14. Lisons le verset 14. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. So it says that this building that they're doing. Donc cette construction qu'ils ont faite. The building of the temple. C'est la construction du temple. Is going to be completed. Va être achevée. By how many laws? Par combien de décrets? 1, 2, 3, Cyrus, Darius, Artaxerxes. So we've got Cyrus, Darius, and Artaxerxes. Donc on a Cyrus, Darius et Artaxerxes. This is these three laws.
Donc ce soit, sont les trois décrets. So the third law, donc la troisième, le troisième décret, it begins the 2300 days, commence le, la prophétie des 2300. And the third message ends the 2300 days. Il termine la prophétie des 2300 jours et matins. Commencement et fin. These are the kings of Persia. Ça, ce sont les rois de Perse. Cyrus, Darius, Artaxerxes. Donc Cyrus, Darius et Artaxerxes. But there are more kings in that history. Mais il y a moins, plus de rois dans cette histoire. It's seven kings. Et en fait, il y a sept rois. There's two here and two here. Il y a here. Deux ici et deux ici. And then, et donc, we had the 70-year captivity. Nous avons la 60 des années, enfin la 70, la captivité de 70 ans. We had the 1260. Et là, on a les 1260. This is 538. Qui est 538. And here, et ici, was Zedekiah. C'était Sédécias. Then we have Zedekiah. Et on a Sédécias. At the end. À la fin. And Manasseh here at Manasseh the beginning. Et Manassé au début. And how many kings did we say this was? Combien de rois on a? Seven. We didn't, because I didn't tell you. Non, je vous l'ai pas dit. So Manasseh. Manasseh. Amon. Amon. Josiah. Josias. We've all heard of Josiah. On a entendu parler de Josias. Jehoiakaz. Jehoiakaz. And then these three kings. Et ces trois rois. Kim, Kin, Zedekiah. Joachim, Joachin et Sédécias. Seven kings. Il y a sept rois. This is seven kings of Judah. C'est les sept rois de Juda. This is seven kings of Persia. Ça, c'est les sept rois de Perse. And this is seven thunders. Et là, c'est sept tonnerres. You can see. Vous pouvez voir. 70 and 1260 connect. Les 70 et les 1260 connectés. You can see. Vous pouvez voir. That seven Persian kings connect to seven thunders in Millerite history. Les sept rois Perses sont en relation avec les sept tonnerres de l'histoire des Millerites. And it's by an understanding of connecting all of these histories together. Et c'est en connectant toutes ces histoires ensemble. That we'll begin to understand our own history. Que nous allons comprendre here. Notre propre histoire. Because 1798 parce is what. 1798 c'est quoi? The time of the end. Le temps de la fin. And from 1844. Et 1844. We're going to get to what year? On va aller à quelle année? 1989. Which is the time of the end. Qui est le temps de la fin. So we're going to go from all of these histories. Donc nous allons aller dans toutes ces histoires. And we're going to get to the time of the end. On va arriver au temps de la fin. If this is the time of the end here. Si ça c'est un temps de la fin ici. Number one. Numéro un. What must this be, Cyrus? Qu'est-ce que doit être ici, Cyrus? Beginning of the seven thunders, beginning of the seven commencement kings. Commencement des sept tonnerres, commencement des sept rois. This must be. Ça doit être aussi. The time of the end. Un temps de la fin. If this is the time of the end of beginning si, seven ça, kings. C'est un temps de la fin. And this is the beginning of seven kings. Et ça c'est le commencement aussi de sept rois. This must be. Ça doit être aussi. The time of the end. Le temps de la fin. So we've got three time of the ends. On a trois temps de la fin. There's more in the Bible than that. Et on a plus que ça dans la Bible. All of these three times. Donc ces trois temps de la fin. Are going to prefigure our history. Vont préfigurer notre histoire. And what we're going to have in our history? Et qu'est-ce qu'on aura dans notre histoire? Seven. Sept. Times. Tonnerres aussi. And we're going to get this history. Et on va avoir cette histoire. This one. Cette là. And this one. Celle là. And bring it into our own history. Et on va la mettre dans notre histoire. To understand. Pour comprendre. What begins to happen. Qu'est-ce qui se passe? In end time prophecy. Dans la prophétie. And it's vital for us to understand. Et c'est vital pour que nous comprenions cela. The importance of 1989. L'importance de 1989. Because 1989. Parce que 1989. Was prefigured. Et préfiguré by 1798. Par 1798. And it's all connected to the 2300 days. Et c'est en relation avec les 2300 jours. The 2300 days. Les 2300 jours. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Jesus moved from the holy place. Jésus a bougé du lieu saint. To the holy place. From the holy place to the most holy place. Du lieu saint au lieu très saint. And when he left the holy place. Et lorsqu'il a quitté le lieu très saint. He shut a door. Il a fermé une porte. And when he went into the most holy place, he opened the door. Et lorsqu'il est allé dans le lieu très saint, il a ouvert une porte. So this shut door. Donc cette porte fermée. Is being marked here by a shut door. A été marquée aussi ici par une porte fermée. And if I shut the door on you. Et si il ferme la porte sur vous. What prophecy or parable does that remind you of? Ça vous rappelle quelle parabole? Matthieu. Matthieu. 25. Matthieu 25. He says. Il est dit. Then shall the kingdom of heaven. Le royaume des cieux. Be likened unto. Sera. 10 virgins. À 10 vierges. And the door gets shut upon them at the end. La porte est fermée sur elles à la fin. Here we have. Et ici nous avons. 10 virgins. Vierges, the door's going to be shut. Et la porte va être fermée. And this
Oui, ceci is a close of probation. C'est la fin du temps de grâce. And this et ça is a close of probation. C'est la fin du temps de grâce. This was the kingdom of God. Ça c'est le royaume des cieux. This is the kingdom of God. Ça c'est le royaume des cieux. The close of probation for this church. La fin du temps de grâce pour cette église. God's church. L'église de Dieu. Is the Sunday law. C'est la loi du dimanche. 1989, en 1989 was 28 years ago. Ça fait 28 ans. It's a long time. Ça fait du temps. And we're arriving at the Sunday law. Et nous arrivons à la loi du dimanche. Rapidly. Rapidement. Now, if all that we knew et si tout ce que nous savions was that we're here somewhere, c'est que nous sommes là quelque part. 28 years have gone. Il y a 28 années qui sont passées. And we're in 2017. Nous sommes en 2017. And we're here somewhere in the future. Et nous sommes là dans le futur. We don't know this date. Nous ne connaissons pas cette date. But it must be close. Mais elle doit être rapprochée. That would be serious enough. Ce serait suffisamment sérieux. But we know much more than this about end time prophecy. Mais nous savons beaucoup plus que ça sur la prophétie. So in the remaining part of the week, donc dans le reste de la semaine, we want to try and understand more. Nous allons essayer de comprendre plus of what this history looks like. Sur comment, à quoi ressemble cette histoire. And we're going to do that. Et nous allons faire cela. Through understanding more about this history, the Millerite history. Plus l'histoire des Millerites, cette histoire. More about the history of the Persian kings. Et nous allons comprendre plus aussi sur les rois perses. And more about the seven Judean kings. Sur les sept rois de Juda. And all of these histories. Et toutes ces histoires. Will teach us about our own. Nous enseignerons sur notre histoire. And there's one other history. Et il y a encore une autre histoire. That's on these boards. Qui est sur ce tableau. The history of Christ. L'histoire de Christ. That we need to understand. Que nous devons comprendre. Because what did we put on the board here? Parce que lorsque vous êtes sur le tableau ici. Time of the end. Au temps de la fin. So we know that Christ has a time of the end. Donc Christ a un temps de la fin aussi. Manasseh is a time of the end. Manasseh c'est un temps de la fin. Cyrus is a time of the end. Cyrus c'est un temps de la fin. And the giving of the deadly wound in 1798 is a time of the end. La blessure mortelle en 1798, c'est un temps de la fin aussi. We need to understand what's happening in our own history. Nous devons comprendre ce qui se passe dans notre histoire. It's very frightening. C'est effrayant. But it's very interesting. Mais c'est aussi très intéressant. So as we continue our studies. Donc on va continuer notre étude. We want to seek for the Lord's blessing. Et nous allons rechercher la bénédiction du Seigneur. Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Heavenly Father. Père céleste. We want to thank you. Nous voulons te remercier. For your goodness and your mercy. Pour ta bonté et ta miséricorde. How you continue to guide and direct us. Tu continues à nous guider, à nous diriger. As we have seen. Nous avons vu. How we can begin to connect all of these separate histories together. Comment nous pouvons mettre en relation ces histoires qui sont séparées. We want to ask and pray that you would bless us. Nous prions pour que tu puisses nous bénir. As we connect, alors que nous relions, the history of the captivity, l'histoire de la captivité, with the history of Christ, avec l'histoire de Christ, and the history of the Millerites, avec l'histoire des Millerites, with these tools, avec ces outils, you have given us great light, tu nous as donné beaucoup de lumière, about our own times, sur notre propre époque, help us to be diligent students, aide-nous à être des étudiants diligents, to pay careful attention, pour prêter une attention particulière, so that we might get ready. Afin que nous puissions être prêts. And we might help our family and our brethren. Afin que nous puissions aider nos familles et nos frères. To also be ready. Mm-hmm. To also be ready. Afin qu'ils puissent aussi être prêts. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.